Good morgen, allez, Yiden et Sussra, aujourd'hui, le Louis Nishmat, Richard, Aharon, Ben, Fortuné, Mazal. Ainsi que l'Irfouat, Hanale, Abad, Gitel, Devora, Sarah, Bat, Nechama, Ptor, Shachol, Israël, et vous êtes, aussi, Yiden, une prochaine étude de Mishnah, quand il y a 5 minutes éternelles, nous étions, Masechet, Psachim, Perek, Tet, Mishnah, Chet. A Pesach, Shinit, Arav, Bazvachim. Kulan, Ir'u, Achiista, Avu, Vimacheru, Vyavi, Bidme, Ayafe, Shebaen, Miminze, ou Bidme, Ayafe, Shebaen, Miminze. Yafsid, Amotar, Mibeto. Nit'arav babechorot, Rabbi Shimon Omer, im chaburat kohanim, yochelu. On traduit directement, à Pesach shinit'arav bizvachim. On parle d'un korban Pesach qui s'est mélangé dans d'autres korbanot. Soit j'avais mon mouton, qui était un korban Pesach, il s'est mélangé dans deux autres moutons, un qui était par exemple un korban Ola, et l'autre qui était un korban Hacham. Encore vivant, ils sont mélangés tous les trois. Maintenant, j'ai un grand problème, je ne peux plus leur faire la shrita. Chacun il a une halakhot bien particulière. Le korban Pessah, on doit lui faire la shrita dans l'après-midi, pour le manger le soir, que le menouim, alors qu'un korban Hacham, il sera mangé que par les Kohanim, dans la Hazara, on n'aura pas le droit de le sortir en Jérusalem. Le korban Ola, il faut le faire, tous ses membres doivent monter sur le Mizbeach. Donc en fait, on est en grand problème, on ne sait pas quoi faire maintenant avec ces korbanot. Il n'y a plus rien à faire, on peut plus les faire en korban. La solution qu'on a, c'est quoi? C'est que Kulan Ir'u Acheista Avu, on les fera paître tous jusqu'à qu'ils vont avoir un moum naturel, un défaut naturel qui va leur tomber dedans. Ça peut être une lèvre ou une oreille entaillée, un moum. Et quoi? Veimacheru, et ensuite on pourra les vendre. Et alors, Veyavi Bidme Ayafa Shebaen Miminze, il prendra en contre-valeur de la plus belle, de la plus chère miminze de cette espèce, ou bidme ayafe sheben miminze, et de la contre-valeur du plus beau, du plus cher pour l'autre espèce, et ainsi de suite pour les trois espèces, veyafsid amotar mibeto, il perdra le supplément de sa maison. On explique un peu mieux, c'est pas compliqué. J'avais trois moutons qui se sont mélangés, donc, comme ce qu'on a dit. Maintenant, premièrement, un mouton vivant qui est apte à être un corban, je ne peux pas le racheter. Pour pouvoir le racheter, il faut qu'il devienne impropre, inapte pour le misbéar, c'est-à-dire qu'il va avoir un défaut. D'accord? Comme les moumines qu'on avait appris dans Maseret Prorot, on avait longuement expliqué toutes sortes de défauts qu'on pouvait avoir dans les animaux. Donc, premièrement, tu ne peux pas le racheter tel quel en l'état. Tu n'as pas le droit non plus de le provoquer d'avoir un défaut. Donc tu dois le laisser comme ça, tu n'as même pas le droit de le traire pour lui prendre son lait, si c'est une femelle, de toute façon on parle de mâle en l'occurrence. Donc là n'est pas le problème, on n'a pas le droit d'utiliser sa laine, parce que sa laine aussi, les kadoches, on ne peut rien faire. La seule chose qu'on a à faire, c'est de patienter gentiment, jusqu'à ce que naturellement il va avoir une lèvre, un œil, un défaut qui va lui pousser à la longue, ça finit par arriver. Et une fois qu'ils auront tous les trois un défaut, alors on pourra le racheter. C'est-à-dire, chacun qui aura, au fur et à mesure qu'il aura un défaut, on pourra le racheter déjà. D'accord? On aura peut-être tout intérêt à le faire, d'ailleurs, pour ne pas qu'il traîne trop et qu'il perde de sa valeur non plus. D'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ça se passe comme ça. Donc en théorie, d'abord, s'ils ont tous les trois le même prix, il n'y a aucun problème. J'attends qu'ils ont tous les trois un défaut. Imaginez qu'ils vont tous avoir leurs défauts en même temps. Maintenant, je vais pouvoir les racheter. Chacun, il va coûter 100. J'amène 300 shekels, 300 unités, d'accord, je prends et je dis, bon, alors, je prends un premier 100, je dis, parmi les trois, là, qui est le Ola, Sakdusha, elle est transférée sur cet argent, je le mets ici, Ola. Parmi les deux restants, celui qui est Hacham, je transfère Sakdusha sur le deuxième, et je le mets là. Et le Korban Pessar qui reste, Sakdusha, 200, je la transfère sur le troisième, et je le mets là, et puis après, avec les 300 shekels, je vais et j'achète avec le premier 100, un Ola, avec le deuxième, un Hacham, et avec le troisième, un Korban Pessah. Ça, c'est lorsqu'ils étaient à prix équivalent. Maintenant, ce qui se passe, c'est que notre Mishnah, elle a compliqué un petit peu l'histoire, en lui disant que concrètement, il y en a un qui coûte 120, l'autre qui coûte 100, et l'autre qui coûte 80. Donc en fait, on a un problème, parce qu'on ne sait pas c'est lequel des trois qui coûte 120. Peut-être que c'était l'Ola, peut-être que c'était le Hacham, peut-être que c'était le Korban Pessah. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, mais tu sais quoi, regarde. Parmi les trois, quoi qu'il arrive, il y en a au moins. C'est-à-dire, il est possible que ce soit le Ola qui coûte 120, ou le Hacham, ou le Pessah. Prends 3 fois 120 shekels, donc ça va te faire 360 shekels.
Tu rajoutes, au lieu d'amener que 80, tu amènes, au lieu d'amener que, donc tu prends une première fois 120. Et tu dis d'abord, premièrement, le hola, si c'est lui qui coûte 120, je transfère sur la gdoucha. Sinon, je transfère la hola sur ce que ça coûte, et on rajoute le supplément, je le paye de ma poche. Tu prends un deuxième 120, et tu dis maintenant le hacham, si c'est lui qui coûte 120, je transfère le 120 dessus. Si ça coûte que 100, je transfère 100, et je rajoute 20 de ma poche pour acheter un hacham. Et idem aussi, tu fais avec le troisième 120 shekels, et tu prends, tu dis, ben, le korban pesar, où est-ce qu'il est? Si c'est lui qui coûte 120, la gdoucha est transférée. S'il coûte 100, s'il coûte 80, je rajoute de ma poche. Il s'avère qu'en réalité, j'ai rajouté de ma poche l'équivalent de 60. C'est-à-dire, en théorie, au lieu d'avoir 120, 100 et 80, je me suis payé 120, 120, 120, en payant de ma poche, comme ça, c'était l'option que j'avais pour pouvoir faire que le korban ne va pas être dévalué. Ok? C'est ce que la Mishnah, je répète maintenant dans les mots. Que la Mishnah m'a dit, à Pessar, chez Nitarev et Svachim, le korban Pessar qui s'est mélangé dans d'autres korbanot, Kulan, Iru, Hachis, à vous tous devront paître jusqu'à qu'ils vont avoir un défaut, Vi, Machiru, et on pourra les vendre, les racheter, Veyavi, Bidmea, Yafé, Shebaen, Miminze, il apprendra avec la valeur du plus cher des trois, Miminze, de cette espèce, c'est-à-dire il décidera 120 pour le Ola, Ve, Bidmea, Yafé, Bachamen, Miminze, avec le plus beau des trois, le plus cher des trois, Miminze, encore une fois, le Hacham, et ainsi de suite, même pour le korban Pessar. Mais bientôt il perdra le supplément qu'il a dû rajouter pour pouvoir mettre les trois au prix de 120, il le payera de sa poche. Ok? Fin de la Reisha, deuxième partie de la Mishnah. Nita'arav bi-bechorot. On parle maintenant que le korban pesar s'est mélangé dans d'autres bechorot. Je traduis d'abord, après j'explique. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, dit Im chaburat kohanim yochelu. S'il s'agit d'une Chaboura d'un regroupement de Kohanim, eh bien, ils pourront le manger le soir. On explique un petit peu mieux. Les korbanot, alors là, on a l'avantage que le korban Pessah. Il faut le faire, be matan damim echad, be shficha achat. Comme on dit dans la dernière Mishnah de Ezeu Mokom et Chatrim, abechor va masar ve Pessah, kodashim kalim, shritatan bechol makom bazara, ve daman taunaza achat. Il faut juste faire une seule aspersion, ou plutôt une seule shficha, c'est une marque loquette, en réalité, est-ce qu'il faut asperger ou verser? Il faut faire une shficha, il faut verser une fois qu'il est négatif. D'accord? Du coup, il s'avère que maintenant, imaginez, on va prendre un cas simple. Il y avait un Bechor et un Korban Pessah. Tous les deux petits moutons, tout mignons, de un an, même pas. Et ils se sont mélangés tous les deux maintenant. Je ne sais pas qui est le Bechor, qui est le Korban Pessah. Alors en théorie, d'abord, premièrement, on va d'abord poser la halakha du Korban. Du Bechor. Le Bechor, on a une halakha très spéciale, c'est que tant qu'il est en état, alors tu l'apportes en Korban. Le Kohen, moi l'Israël, je dois le te donner au Kohen, et le Kohen, il l'apportera lui-même en Korban, il le mangera. C'est une matanat de Kohenim. Si toutefois le Bechor, il va avoir un défaut, alors là, le Kohen le mangera, tout court, sans l'apporter au Mizbar, puisqu'il a un défaut, il n'y a aucun principe de racheter la gdoucha. Un Bechor, on ne rachète pas la gdoucha d'un Bechor. D'accord? Juste, tant qu'il est en l'état, tu l'apportes. Il a eu un problème, le Kohen le mange, il a quelques restrictions pour le manger, de faire attention comment le manger, ne pas travailler avec lui. Il devra juste le garder pour le manger tel quel. Même à notre époque, d'ailleurs, on peut encore donner le Bechor à un Kohen, et le Kohen le gardera, et puis il attendra qu'il ait un défaut. Sauf qu'on a un problème, aujourd'hui qu'on ne connaît plus les défauts, on ne sait plus. Trancher sur nos défauts, ça c'est toujours le chod de Prorot qu'on avait appris déjà dans le Masechet de Prorot. Ça c'est pour le Bechor. Pour le Korban Pessah, alors maintenant, si le Pessah, selon le même principe qu'on a vu dans le début de la Mishnah, en théorie, tu ne sais pas où se trouve le Korban Pessah, tu dois patienter qu'il va avoir un défaut, et après tu le rachètes, tu transfères sa gdoucha sur un autre Korban. Maintenant, selon la période, si tu peux encore apporter le Korban Pessah, alors tu apporteras avec la contre-valeur un Korban Pessah. Si Pessah c'est fini, il n'y a pas de Pessah Sheni, et donc le Korban Pessah maintenant, il n'est plus Korban Pessah, il devient Korban Shlamim, comme ce qu'on a longuement expliqué, que le Pessah, dès qu'il n'est plus offert comme un Korban Pessah, il devient Shlamim. Donc, tu l'apporteras en Korban Shlamim. Ça, c'est le principe du Korban, du Pessah qui se perd. Ce qui se passe, c'est que là maintenant, on a un Korban Pessah qui se mélange avec des Bechorot. Maintenant, concrètement, il n'y a presque aucune restriction, c'est-à-dire, concrètement, le Korban Pessah, il doit être mangé le soir, tu dois aller faire la Shrita le 14 Nissan, et le manger dans la nuit du 15 jusqu'au petit matin, ou plutôt jusqu'à Chatzot,
Et c'est tout. Dans tout l'ensemble du Yerushalayim, par les gens qui ont été menouim dessus. Comme on dit dans la même chien de maison, comme je dirais, à Pesach Nechol Atrasot, Venochal Menuya, Venochal Latsali, il faut le manger en le grillant, et le manger jusqu'à Chatzot, et que par les gens qui ont été nommés dessus. Le Bechor, tu peux le manger dans tout Yerushalayim, les Kohanim peuvent le manger dans tout Yerushalayim. En théorie, ils ont Shnei Yamim Velaila Echad, deux jours et une nuit, pour le manger. Il nous dit Rabbi Shimon, écoute, si un Korban Pesach qui se mélange avec un Bechor, même prenez un Bechor, alors il y a une solution pour que tu puisses, au lieu de patienter, qu'il y a un défaut et toute cette histoire compliquée, il y a une solution simple. Trouve-toi un groupe de Kohanim qui vont le faire en Korban Pesach. Ils vont faire la Shrita des deux Korbanot dans l'après-midi du 14. Un, ce sera, imaginez un et un par exemple, un ce sera le Korban Pesach, l'autre ce sera le Bechor, il n'y a aucun problème. Le soir, ils arrivent, ils mangent chacun un peu de la viande de l'un et un peu de la viande de l'autre. Et comme ça, on a gagné que les deux, t'as pas eu besoin de patienter pendant des mois jusqu'à qu'il va avoir un défaut. On a trouvé une solution tout de suite. Les Kohanim le feront en Korban Pessah, et ils mangeront le Bechor et le Korban. Par rapport à la manière de faire l'aspersion au Beth Amikdash, c'est la même chose. Matan Damim Echad, tu verses une seule sur le Mizbeach, c'est parfait. Il y a juste un petit problème technique. C'est que malgré tout, si tu restes de la viande jusqu'au lendemain, alors là, c'est une petite galère. Parce que s'il reste de la viande du Korban Pessah, tu dois la brûler. Si tu restes de la viande du Bechor, tu continues à la manger. Tu as deux jours et une nuit pour la manger, donc tu as encore toute la journée qui suit. Là, dans le doute, comme tu ne sais pas lequel des deux est le Korban Pessah, s'il va te rester de la viande de l'un, tu vas te retrouver que maintenant, alors que tu pouvais enfin le manger le lendemain midi, eh ben on va te dire non, tu ne le manges plus parce que peut-être que c'est le Korban Pessah. Donc quelque part, tu vas te retrouver avec un petit inconvénient, c'est que tu vas limiter le temps de consommation du Korban. Rabbi Shimon, ça ne le dérange pas. Rabbi Shimon te dit, c'est pas grave, agis ainsi, dépêchez-vous de manger, et c'est pas grave, tout se passe très bien. Chachamim discute, ne sont pas d'accord avec Rabbi Shimon, et d'ailleurs la halakha n'est pas établie comme cette Mishnah, mais comme Chachamim, qui vont nous dire, non, tu ne peux pas faire la shrita d'un korban, qu'après tu vas trouver le lendemain avec un korban, qu'en théorie, tu peux le manger, et qu'on va te dire, non, tu ne le manges pas, et tu le laisses, qui va maintenant, tu vas transgresser l'interdit de le laisser jusqu'à son 11 man de Issour. On n'a pas le droit, a priori, de dégorger un corban qui ne va pas être consommé. La viande, elle va perdre, elle va devenir interdite pour rien, et ça s'appelle faire perdre du décochim. Donc, selon Chachamim, il n'y a plus d'autre choix que de laisser paître les deux, jusqu'à ce que les deux vont avoir un défaut. Et quand il y aura un défaut, et quand ils auront tous les deux un défaut, tu transféreras la gdoucha du plus cher sur l'argent, et tu diras, du plus cher en disant que peut-être c'est lui le corban Pessah. Tu transfères celle de chez sur de l'argent. Si c'est avant Pessah, tu la portes en Korban Pessah. Si Pessah est fini, tu la portes en Korban Shlamim. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Seala.